Il a pas l'air de bouger, lui. Je crois pas qu'il bouge, lui. Ah, il est enterré. Falloir qu'on s'occupe de son cas, lui, je crois. Attendez, laissez-moi deviner, ça l'a pas touché, c'est ça? La lance, elle est cassée! Ouais, je suis en train de taper avec un bras, tout va bien. Ouais, lui, jamais il me laissera atteindre la... Ok, ça lui fait des dégâts. Pas beaucoup, mais... Ça fait des dégâts. Va falloir le tuer. Hein. Ok, on panique pas, ça va bien se passer. Super, une hallebarde rouillée. Hop, 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 hop. Caché. Caché! Sinon, ce qu'on peut éventuellement faire aussi, pourquoi pas, c'est ça. Hein. Eh ben voilà! Urbosa, merci bien pour ton soutien lors de mes quêtes périlleuses. Oh, il y en a encore un. Il me laissera pas accéder à la tour. Non, il m'a déjà repéré. Ok, on va s'occuper de son cas. Attends, je me rapproche et je vais te faire le même coup. Hop, on charge. Ah, c'est le one shot, hein. Ça rigole pas, hein. Donne tes pièces. Merci, c'est gentil. Je pense que je peux accéder à la tour en toute sécurité. Je peux accéder à la tour en toute sécurité? Merci bien. Non, mais Link, 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 tu ne fais aucun effort. Je ne fais absolument aucun effort. Allez, monte. Ben voilà, ça nous fera une tour de plus. Eh, on avance bien, hein. On avance, hein. Notre progression de l'exploration de la carte se passe à merveille. On n'est même pas mort une seule fois. N'oublions pas, nous ne sommes pas morts une seule fois depuis le début du live. Cela va de soi. N'est-ce pas? Je crois que je ne suis jamais autant morte que durant ce live. C'est un carnage. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Mais bon. On envoie le bout, c'est le principal. Oui, pas une seule fois, 25 fois. C'est dans la tête, ça. C'est qu'une impression. Regardez. Le principal, c'est qu'on y est. Mission accomplie. Mission accomplie. Tablette Shaker reconnue. Pif paf pouf. Eh ouais.
Petite épée en plus, parfait. Acquisition des données locales. Et plouf. Plouf, plouf. La carte de la zone a été enregistrée. Et voilà! Et voilà! Du coup, il nous reste encore trois zones à faire. Donc, par ici, il devrait y en avoir une. Est-ce que ce serait pas elle? Non, c'est pas elle. C'est bien de ce côté-là, hein? Non, pas exactement, en fait. C'est plus. Même pas. C'est vraiment plus par là, non? Écoutez, on va se téléporter à ce sanctuaire. On verra peut-être mieux. Où est donc cette tour? Chargement. Chargement. Le petit. Chargement. Bonjour le corbeau. Ok, la zone, elle est par là. Hein. Problème, c'est qu'il y a des grosses falaises. Très grosse falaise, j'ai pas la moindre idée de là où se trouve notre tour. Sinon, est-ce qu'on n'aurait pas... À la limite, on peut essayer de se téléporter à celle-là. Celle-là, elle me semble être plutôt en hauteur. Faudrait au moins que je la repère, quoi, la tour. Si je la vois, ça sera déjà... Déjà mieux. On est d'accord qu'elle devrait être par là. Hein. Ouais. Mais je ne vois rien. Va falloir monter sur ces trucs-là. Ok, on va faire une petite orage. On va s'envoler. Et en avant toutes. Faut qu'on arrive à monter tout là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Ce qui me paraît fortement compliqué. Non, on dirige bien dans la bonne zone, hein. On sait jamais. Il y a un doute. Mais c'est bien par là. On voit des sanctuaires que j'ai fait en bas. Ok, on n'est pas trop mal. Par contre, je crois qu'il a l'air de faire un petit peu froid là-haut, non? Wouh! Erasu, coucou! Merci pour ton raid. Bienvenue à toi et bienvenue à tes viewers. J'espère que vous allez tous bien. Eh, monte Link. Link, tu montes, s'il te plaît. Violette Tempo. Eh, hey, coucou Chalou, comment ça va? Ok. Continuons notre ascension. Ah ouh, il y a des loups! Personne n'a peur des loups ici, bien évidemment. De toute façon, ils vont encore fuir.
Je crois qu'on va utiliser notre troisième rage de rivalité ici. Ouais, juste là. Histoire de s'envoler! Misakira, merci pour ton follow! Ibe, c'est très gentil de m'avoir recommandé pour le raid. Par contre, il faut que je change de tenue parce qu'on va se geler! Eh, tutulu, il s'affiche pas. Ah, tutulu. Mais merci pour le follow en tout cas. Je vois pas le tutulu, mais. Merci en tout cas. Et bienvenue à vous. Dans ce live où on escalade. Ouais. Parce qu'on cherche des tours. Et hop, c'est la fête! On cherche les tours histoire de débloquer un petit peu toute la map. Et du coup, bah, faut chercher quoi. Ah, merci, c'est gentil. On va tomber. On va tomber ou on va pas tomber? Non, on devrait pas tomber. On tombe pas. On tombe pas, ça passe. Ça passe, ça passe. On va tomber. On va tomber. Yup. Ouh, c'était juste. Bon, par contre, la visibilité, elle est naze. La visibilité est toute pourrie, on n'y voit rien. C'est incroyable. Merci la neige. Je sais pas comment on va repérer notre tour dans cette purée de pois. Non, franchement, là, on n'y voit vraiment rien. Bah, on monte, hein. On monte, on monte. Merci pour le pas de patte. Allez Link, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh non. Oh non non non. Oh non 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 non. Aïe. Aïe. J'ai sauté beaucoup trop tôt. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On y était presque. Ah, on n'est pas mort. On n'est pas mort, tout va bien. Aucun problème. C'est rien. On a glissé, je pensais que ça passait. Bon, je me suis peut-être un petit peu emballée. Il faudrait un peu plus d'énergie. On va demander un peu plus d'énergie la prochaine fois qu'on voit une statue. Hein? L'énergie, c'est bien. C'est pratique. Oui, je sais pas, on était proches. Eh, mais sérieux, on n'y voit vraiment rien par contre ici. Ok, c'est bon, là, ça passe. Link. On peut sauter! Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Fais des zifi. Ok, fais ta vie. Alors, est-ce qu'on verrait pas une lumière orange quelque part? A priori, non, moi je vois rien du tout. Mais genre vraiment rien. C'est problématique parce qu'on sait même pas à peu près où est-ce qu'elle est cette tour. On va essayer de prendre plus de hauteur. Oh, c'est la misère de marcher dans la neige, on n'avance pas. Trop de neige. Ouais, on escalade tranquillement. Mais ouais, là je la vois pas la tour, ça me. Ça m'inquiète un peu. Allez pas me dire qu'elle est planquée parce que ça va pas être terrible. Vraiment pas. Bon allez, ça passe, hein. Ça passe. Bien sûr que ça passe. Visibilité zéro. Bah, de rien. Écoute, ça fait plaisir si tu t'amuses bien, en tout cas, c'est le principal, j'ai envie de dire. Bon, après, je sais pas si je m'amuse autant, moi, à mourir toutes les 2 secondes, mais. Hop, un petit Korogu. C'est cadeau.
Oh, vaut mieux en rigoler de toute façon. On n'est pas là pour se prendre au sérieux non plus. Eh, hey, si on meurt pas, en vrai, c'est pas drôle. Alors on meurt? C'est... Tout est calculé? Pourquoi tu descends? Ok, je pense pas que la tour soit par là, elle doit être plus par là-bas, je pense, non? On est d'accord? Par là même, je dirais. Je pense qu'elle devrait être plus par là, non? Ça serait logique, on va essayer d'avancer par là. Mais ouais, non, mais avec la neige, on y voit tellement rien du tout! C'est terrible! On est habitué. Comment ça, on est habitué? En vrai, ça arrive pas si souvent que ça. Hein, ça arrive, certes, de temps en temps. Mais c'est pas tout le temps non plus, quand même. Voyons. Salut les cailloux de glace qui bougent. Ouh, on commence à y voir un petit peu mieux. Ah, ça fait plaisir, un peu de visibilité. Mais je vois toujours pas la tour. Bip bip. Le v'là le dragon. On le voit là-bas. Ça bip bip. Ça bip bip. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Ça bip bip. Je sais pas où ça bip bip, mais ça bip bip. Mais go lui tirer dessus. Ouh, attendez. Rivali. Tirer dessus, c'est... Oh mais non, c'est un arc de merde. Non, il est beaucoup trop haut. C'est pas un bon plan de tirer d'ici. Ouais, là, il est en train de remonter dans les nuages. C'est pas du tout un bon plan de tirer d'ici. Il y a un canyon, normalement, dans lequel il passe. Et qui est bien plus facile à le toucher. C'est la première fois que tu fais ce petit jeu. Non. Non, non. Je l'avais fait une première fois, il y a de ça longtemps, certes. Salut le... Tu crois qu'on t'a pas vu, toi? Tu crois vraiment qu'on t'a pas vu? Mais j'ai déjà fait. Après, mes souvenirs ne sont pas... Pas forcément précis, mais c'est pas une première. Mais viens là. Mais arrête de... Oh! Espèce de lézard! Viens te battre si t'es un lézard. Oui, ça ne fait aucun sens, je sais, mais on y voit à nouveau plus rien. Il y a du bip bip. Je sais pas où est le bip bip. Bon, on va continuer par là parce que je pense que la tour devrait être par là, mais... Ouais, approximatif, très approximatif. Je sais qu'on peut tirer sur le dragon qui donne écailles et cornes. Il me semble que c'est pour monter le stuff. Et ça, il me semble que c'est un linel. Que c'est une très mauvaise idée de s'en approcher. Parce que ça, c'est une bestiole vraiment pas très sympathique. Je trouve pas cette tour. Ça devrait être visible quand même, non, une tour. On est obligé de passer à côté du linel. Je suis pas très fan des linels. En tout cas, à mon avis, lui... doit pas être sympathique. Non mais quand même! On en voit une de là, mais c'est pas celle que je cherche. Rivali, Rivali! Ah, si ça se trouve, ce serait pas le glaçon qui est là, le sanctuaire?
Ah, c'est possible que c'était le sanctuaire, mais tant pis. N'oublions pas, nous cherchons une tour. Parce que là, on va arriver... Non, on est encore loin du bout de map, quand même. Mais je ne vois pas cette tour. Une grande tour qui fait de la lumière orange. Normalement, c'est visible, quand même. Salut, les loups. Ça va, les loulous? Les loulous? Mais bien sûr! Je voulais juste le coffre, hein. Il y a un coffre au sol. Excuse-moi. Hop, on tape ça. Il en reste un. Non, tu vas reprendre ta tête, sérieux? Non, c'est beau. C'est juste que j'ai vu ce petit coffre. Que je me suis dit que ça pourrait être bien de les récupérer, quoi. Voilà. 5 flèches en bois. Eh ben écoutez, on prend. Popom. Hey, coucou Amiral, comment ça va? Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait tout noir. Toi, t'es pas un... Genre, ça lui a rien fait? C'est pas un coffre, ça, hein? C'est pas un coffre, hein? Si je le fais tomber sur le... baril explosif, ça explose. Raté! Arrête de bouger! Oh non! Il est parti. Tant pis. Oui, 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 je ne sais pas viser. C'est rien, c'est normal. Oh, 50 rubis. Des baies grillées, on a tout fait griller. Magnifique. Bon, par contre, notre tour... Comment dire? Bah, je sais pas où elle est. Voilà. Moi, qu'elle soit vraiment au fin fond de la map, mais... ça m'étonnerait quand même un peu. On est peut-être passé à côté, comment c'est possible? Je vois pas de lumière orange. Je suis congelée. Voilà. Voilà. Un Link congelé. Ça, par contre, c'est encore un coffre. Au moins, on se fait des petits coffres. Hein. C'est pas... On explore, quoi. Opal Brut. Opal Brut. Ouais, vous êtes relou. Vous êtes relou. Non, je tiens à vous le dire quand même. Il y a un lézard. Il y a deux lézards. Trois lézards sur ce mur. Faites pas attention à moi, les lézards. J'ai un peu des doutes sur le fait qu'ils fassent pas attention à moi, mais... Évidemment que je me fais congeler, saleté de... Mais saleté de truc de... Ah! Les chauves-souris. Qu'est-ce qu'elles nous auront embêté cette... Aujourd'hui, ces chauves-souris. C'est terrible.
Leur voilà! Attends, t'en vas pas! Oh non! Il est beaucoup trop loin! Ah non, je l'ai pas touché! Je l'ai touché! Ah, j'avais dit, elle tombe pas ce truc? Elle est partie loin, je crois. Elle est partie genre très loin. On l'a touché, faut aller chercher l'écaille. Elle est loin. Elle est très très loin. Mais techniquement, j'ai touché 3 fois. Je devrais avoir 3 écailles. Elle est là. C'est bon, elle est pas si loin que ça. Tadam! Un courant électrique très puissant circule dans cette écaille que l'esprit d'or Rodrak a perdu. Il peut servir d'ingrédient, mais la cuisiner serait sans aucun doute du gâchis. On ne cuisine pas cette écaille, voyons, ce serait du gâchis. Bon, moi je suis au plus profond de cette zone-là et toujours pas de tour. Par contre, il y a encore un coffre. Avec des frites. Mais non. Je te protégerai. Elle me protégera. Oui, j'ai fait exprès de pas me soigner. Je préférais utiliser la prière plutôt que de me soigner. J'avoue. Allez, viens là, petit coffre. Bah écoutez, je crois qu'on a dû passer à côté de cette tour. Hein. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais... Mais je pense pas qu'elle soit plus loin. Hein. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Parce que là, on est vraiment venu se perdre je ne sais où. On est parti se perdre... Là où il y a des linelles. Encore un linelle. Non, je pense pas que la tour elle soit dans le coin. On a dû passer à côté, pas la voir. Je sais pas. On en a d'autres encore à trouver. Au pire, on fera peut-être celle-là en dernier. Ou peut-être qu'on la fera jamais au final, parce qu'elle est perdue je ne sais où. Ouais. Non, de là, je pense pas qu'on puisse la voir. On va stepper à ce petit sanctuaire. Puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même fait pas mal de choses. On a encore pas mal de choses à faire. Surtout si on veut terminer la quête que la princesse nous a donnée récemment. Et... Ah, attendez, non, faut que j'aille... On va aller à Cocorico, en fait. On va aller récupérer un petit peu d'endurance. Parce qu'on a 5 emblèmes. Ouais, on va monter un petit peu l'endurance. Oui, je vais toujours au village Cocorico pour ça. Mais... Du coup, on va y aller. Village Cocorico, où es-tu? Il est là. Allez. On va se téléporter là-bas. On va aller monter un petit peu notre endurance. On a les bois perdus aussi qu'on fera très prochainement. On a encore des choses à faire, vous inquiétez pas. De toute façon, on a le temps hein, pour le finir. On est jusqu'à la sortie du 2. Donc ça va. Ça nous laisse... Un mois pour le terminer, à peu près. On a le temps. Ça va bien se passer. On peut même se permettre de faire un petit peu des extras. Vu qu'en plus, il nous reste plus que l'épée de légende à aller chercher et à aller tuer Ganon. Potentiellement, c'est une idée, hein, de tuer Ganon. Ah! Ah bon, il y a un 2. Bah en fait, le 2, il va pas tarder à sortir. Il sort le mois... C'est le mois prochain? Attendez, on est en avril. Ouais, c'est le mois prochain, on est d'accord. Il sort dans un peu de temps. C'est pour ça que je me suis remise à celui-là pour le terminer. Histoire de le terminer quand même avant la sortie du 2. Qu'on fera, bien évidemment. Donne-moi de l'endurance. Vas-y. Ah oui. Ah oui, oui. Hein. Ça fait 4 ans, je crois, qu'on l'attend, le 2. Donc il est temps qu'il arrive. Allez, un petit réceptacle en plus. Voilà.
Ça évitera qu'on fasse des chutes mortelles. Et ben voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui, c'est incroyable. On commence toujours au village Cocorico, ça finit toujours au village Cocorico. C'est un peu notre fief hein, ce village. C'est clairement notre fief. Donc cette zone, on n'a totalement pas trouvé la tour. Il nous reste encore ces deux zones à trouver la tour de chacune de ces zones. Ensuite je pense que... la grande forêt d'Hyrule, ça doit être très certainement les bois perdus, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est là qu'on ira chercher. Qu'on ira chercher notre épée de légende. On fera peut-être aussi tous les labyrinthes, là, comme ça. Il y en a 4, 3, 4, je sais plus. On en a déjà fait un, normalement, ici. Celui-là, on l'a déjà fait. Du coup, il y en a un autre tout là-haut. Ah, et le troisième, il est là. On les fera peut-être tous les labyrinthes, ça pourrait être pas mal. Et comme je vous le dis, on a encore quand même un petit peu de temps, on fera un petit peu du secondaire. Et puis après on ira tuer Ganon. Parce que oui, il va falloir aller le tuer le Ganon. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous remercie à tous d'avoir suivi ce petit live. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se dit à mardi. Ouais, oui, mardi. Pour la suite de nos aventures, et on sera sur un tout nouveau jeu. Eh oui, on va partir sur un nouveau jeu mardi. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai la surprise. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye.